Nous pouvons chapitre logarithme part 6 septuple c'est change of base. Alors si il y a un logarithme le comme ça log base a de b et sinon on vit sans sa base là la li base a non on vit faire venir l'autre base par exemple on vit faire venir base c là comment li venir li vin log base c over log base c là la sa b là li vin là haut et sa a là li vin en bas. Allez, change the base for each of the following logarithm. Allez, nous servons ça rule là. Allez, c'est un log base a de b. Nous avons change base, faire une base c. Comment le venir? Le venir log base c over log base c. Là, ça input b là, le venir ici. Et input a là, le venir là. Next, c'est un log base 3 de 5. Nous avons sans base là, faire une base 7. Les pouvons log base 7 sur log base 7. La next, ça input 5 là, les pouvons là. Et input 3, les pouvons en bas. Alors, les pouvons 5 et ici les pouvons 3. Next part ici, on a log base 8 de 4. Dans le sens base là, fait les pouvons base 2. Alors, les pouvons log base 2 over log base 2. La next, ça input 4 là, les pouvons là-haut. Et input 8 là, les pouvons en bas. Alors, il y a 4 ici, et next ici pour 8. Partie D, il y a log base pi de 13, donc on a 11 bases, là, il y a une base Q, il y a une log base Q, over log base Q. Le last input 13, il y a une là-haut, et input P, il y a une en bas. Alors, ici, il y a une 13, et ici, il y a une P. Question 2, nous pouvons essayer de prouver comment nous capable change base ça roule là il dit nous que log base a de b il vient log base c over log base c b il vient là haut et a il vient en bas. Alors comment nous prove ça? Alors nous take left hand side à gauche et un log base a de b. Alors sur réponse nous pour let it be x, nous capable let it be x, let ça à gauche là be x. La next qui nous pour faire, nous pour prendre log base a, nous pouvons avoir à droite, les pouvons b égale a power x. Là, next de sa équation, nous pouvons apply log base c on both sides. Alors, si nous faisons ça, les pouvons log base c de b égale log base c de a power x. Next, nous pouvons descendre power x en bas, les pouvons log base c de b égale x fois log base c de a. Next, log BC de A, nous pouvons voir à gauche, devine log BC de B sur log BC de A qui vient X. Alors, X devine log BC de B sur log BC de A. Et ça, X là, nous faisons une substitution. X là, qui était X là, était log BC de B. Et right hand side, nous log BC de B over log BC de A. Alors, nous restons prouve qui log base a de b divise log base c de b divise par log base c de a. Question 3, nous pour réessayer prouve ça rule là change of base et un log base p de 5 égale log base q de 5 over log base q de p. Vous trouvez qu'il y a un sens b, ça nous fait livre base q. Alors nous prend log base p de 5, nous dit let it be x. Next step, nous pour prendre log base p, nous pour avoir dit à droite, les pouvons 5 égale p power x. Next, nous pouvons apply log base q on both sides. Alors, si nous faisons ça, les pouvons log base q de 5 égale log base q de p power x. Donc, x nous pouvons descendre en bas. Les pouvons log base q de 5 égale x fois log base q de p. Log base q de p, nous pouvons aller à gauche. Les pouvons log base q de 5 divise par log base q de p, ça égale x. Alors, qui est arrivé là? X invent log base q de 5 sur log base q de p. Et x là, l'étit au commencement, l'étit log base p de 5. Et ça, les pouvons log base q de 5 sur log base q de p. Alors, ça, nous restons prouve pour question 3. Question 4, solve log base 3 of x is equal to log base 9 of x plus 6. Alors ici vous trouvez pour nous solve base là il n'est pas pareil.
Elle ne peut pas recevoir aucun rule, aucun laws. Elle ne peut pas faire tous les DBS fin pareil. Elle ne essaie faire tous les DBS fin base free. Alors à gauche là, ici log base free de x base ça les 3. À droite nous pouvons et nous faire une log base 3. Alors les une log base 3 sur log base 3. Là où les x plus 6 en bas les pouvons 9. Next log base 3 de 9. Ça les une log base 3 de 9 c'est 3 square. Nous descendons 2 en bas les une 2 fois log 3 3. Les une 2 fois n les pouvons 2. Alors les une log base 3 de x égale log base 3 de x plus 6 sur en bas les pouvons 2. Alors nous cross multiply les pouvons 2 fois log base 3 de x égale log base 3 de x plus 6. Next. Ça coefficient nous avons voyé de power les log base 3 de x square égale ici les log base 3 de x plus 6. Next, nous connaissons quand nous gagnons une équation comme ça, que tu les déplaces dans le log, same base, nous sommes capables d'éliminer. X square pour égal x plus 6, nous avons tout le terme à gauche, les vins x square retire x retire 6 égale 0. Alors ça, si nous factorisons, les vins x plus 2, x retire 3 égale 0. Nous gagnons deux valeurs x, x pour vins négatif 2 et x pour vins 3. Alors nous gagnons deux valeurs x, x vins négatif 2 avec x égale 3. Mais nous devons faire bien attention avec ces deux valeurs x là. À cause log, nous apprenons que log ici et ici, ça deux inputs là, il n'est pas capable de négative. Ok? Alors, si vous prenez valeur x égale négatif 2, vous pouvez mettre là, vous pouvez trouver pour faire ça input là, il est négative. Alors, nous pouvons reject sa réponse x égale négatif 2 là. Mais x égale 3, il n'est pas affecté dans rien. Là, on peut faire une positive, ici aussi une positive. Alors, nous only answer peut être x is equal to 3 only. Nous corrigeons le worksheet, question N. Use the rule log BA is equal to log 10A over log 10B to evaluate these correct to 3SF. Alors, ici, nous pouvons servir sa option dans nos calculatrices, que le log. Ok, c'est-à-dire que nous pouvons taper dans le calculateur ça log de 3. Rappelle bien que ce bouton-là est désimprogrammé base 10. Alors nous servons ce bouton-là pour notre travail. Alors ici, partie A est dans log base 2 of 10. Nous pouvons change base, nous pouvons faire base 10. Devine log base 10 over log base 10. Là où nous pouvons 10, en bas nous pouvons 2. Alors log 10, 10, ça devine n sur log 10, 2. Alors, nous servons ce bouton dans nos calculateurs, nous avons juste tapé n sur lg ou log de 2 qui désimprogrammé base 10. Alors, si nous faisons ça, n divisé par log de 2, réponse to 3 significant figures, les vous 3.32. Next, partie B, on a log base 3 de 33. Alors, nous change base, faisons base 10, log base 10 sur log base 10. Là, on a 33, en bas, on a 3. Ok, là nous évaluons de calculatrice log 33 divisé par log de 3, réponse finale to 3 significant figures, les 3.8. Next, nous répondons partie C. Partie C est dans log base 5 de 8, ça les pouvons log base 10 sur log base 10, là haut les pouvons 8, en bas les pouvons 5. Alors nous tapons log 8 dans nos calculatrices divisé par log 5, réponse pouvons n.29. Next, nous répondons partie D. Partie D est dans log base 7 de 0.0025. Alors, nous change base, faisons log base 10. Over en bas, faisons log base 10. Là, on fait 0.0025. En bas, faisons 7. Nous évaluons log de 0.0025 divisé par log de 7. Réponse to 3 significant figures, faisons négative 3.08. Question 2. Given that u is equal to log base 4 of x, find in its simplest form in terms of u. Partie A est dans log base x de 4. Et si vous trouvez que base là, il besoin 4, nous capables sans base là, faire une base 4, il y a une log base 4 de 4 sur log base 4 de x. Log base 4 de 4, ça devient n. Sur log base 4 de x, ça devient, nous sommes capables de faire substitution, devient u.
Là, nous, expression est venue in terms of U. Nous faisons pareil pour partie B. Partie B est dans log base X de 16. Et nous faisons venir base 4. Nous faisons log base 4 de 16 sur log base 4 de X. Next, log base 4 de 16, nous capable faire venir 4 square sur log base 4 de X, ça devient U. Nous descendons power en bas, il vient 2 fois log base 4 de 4 sur en bas, il vient U. Log base 4 de 4 fait N sur U. 2 fois N fait 2 sur U. Et ça, c'est réponse pour partie B. Next, partie C, il y a log base X de 2. Il vient log base 4 sur log base 4, c'est le sens base là. Là-haut, le 2, en bas, le X. Next, il vient log base 4. 2 nous capable faire devine 4 power half en bas log base 4 de x ça devine u. Next power half nous capable descendre en bas devine half fois log base 4 de 4 sur en bas les u. Next log base 4 de 4 ça devine n, alors donne half divise par u devine half fois n sur u. Réponse finale pour devine n sur 2u. Partie D. On a log base x de 8. Alors, ça, là, comment nous pouvons faire? Nous faisons d'abord 8 là, vient 16 sur 2. Et 16 sur 2, là, nous pouvons appliquer division law. Il vient log base x de 16. Retire log base x de 2. Log base x de 16, ça, de partie B, nous trouvons il vient 2 sur U. Retire log base x de 2, ça, de partie C, nous trouvons il vient N sur 2U. Alors, nous capables de combiner ces deux fractions-là, faire deviner un seul, deviner 2u. Ici, nous proposons fois par 2, fois par 2. 2 fois 2 pour faire 4. OK? Avec ici, nous pouvons retirer n. Et 4 retirer n fait 3 sur 2u. Ça, c'est parti. D. Question 3. Given that log base 9 of y is equal to x, express in terms of x, partie A, in a log base y of 9. Nous pouvons faire living in terms of base 9, à living log base 9 sur log base 9. Là-haut, living 9, en bas, living y. Log base 9 de 9, il fait n. Sur log base 9 de y, ça l'indique living x. Alors, ça, c'est réponse pour partie A. Next, partie B, il y a log base 9 de 9y, c'est 9 fois y. Alors, nous pouvons appliquer multiplication law, living log base 9 de 9. Plus log base 9 de y, log base 9 de 9, ça devine n, plus log base 9 de y, ça l'indique, nous capable remplacer par x. Partie C, on a log base 3 de y, alors nous faisons base 9, devine log base 9 de y sur log base 9 de 3. Log base 9 de y, ça devine x sur log base 9, 9 c'est 9 power 3 c'est 9 power half. Et half nous descendons en bas, il vient half fois log base 9, 9. Il vient x sur log 9, 9, ça il vient n. Il vient x divise par half. Et x divise par half, il vient x fois 2 sur n. Réponse finale pour vient 2x. Nous répondons partie D. Partie D est dans log base 3 de 80n fois y. Nous pouvons appliquer multiplication law, leaving log base 3 de 80n plus log base 3 de y. Next, leaving log base 3. 80n, nous pouvons trouver c'est 3 power 4. Alors 3 power 4 vient 80n plus log base 3 de y. Alors power là, nous descendons en bas, leaving 4 fois log 3, 3 plus log 3y. Leaving 4 fois log 3, 3 leaving n plus log 3, 9. Log 3y, ça nous fait l'idée de partie C, nous trouvons devine 2x, alors ici nous devine 2x, alors réponse finale pour devine 4 fois n fait 4 plus 2x. Question 4, partie A, given that log base p of x is equal to 20 and log base p of y is equal to 5, find log base y of x. Alors partie A, nous avons pour log base y de x. Nous pouvons change base, nous pouvons faire log base pi. Living log base pi over log base pi. Là où living x en bas, living y. Next, log base pi de x d'india living 20. Sur log base pi of y, ça living 5.
Et 20 divisé par 5, réponse finale pour venir 4. Nous répondons partie B. Given that log base P of X is equal to 15 and log base P of Y is equal to 6, find the value of log base X of Y. Ici, on a log base X de Y. Pour nous redonner, nous change base, nous faisons base A vin base P. Devine log base P over log base P. Là, on lit pour venir Y, en bas, on X. Log base P of Y, l'indial est 6, sur log base P de X, l'indial 15. Nous reduce, nous divise par 3 de numérateur et dénominateur. Réponse pour venir 2 sur 15 divisé par 3 fait 5. Et ça, c'est réponse pour partie B. Question 5. Évaluer log base P de 2 fois log base 8 de P. Alors, ici, pour nous évaluer, nous pouvons faire tous les deux une même base. Alors, qui base nous pas fait tous les deux nous avons fait tous les deux une base P. Ok, là, nous laissons log base P de 2 fois, ici, nous change base, nous faisons une log base P of P over log base P et là, nous avons 8. Next, nous simplifier, nous avons log base P de 2 fois log base P de P divine N sur en bas, 8 là, nous faisons 2 power 3. Divine log base P de 2 power 3. Divine log base P de 2 fois N sur 3 nous descendons en bas. Divine 3 fois log base P de 2. Alors ici log base P de 2 pour éliminer. Pour S N fois N sur 3. Réponse finale pour venir N sur 3. Question 6. Ici nous pour solve une logarithmic equation. Partie A. Vous pouvez trouver qui base là 9, ici base 9, mais là il y a base 5. Mais nous pas nécessaire change base parce que ça capable simplifier. Si vous regardez bien, log base 5 de 25, car fait living log base 5, 25 nous car fait living 5 square, living 2 fois log 5, 5, living 2 fois n, réponse pour living 2. Alors left hand side nous capable appliquer multiplication law, living log base 9, de 3 fois x plus 4, right hand side nous trouver living 2. Next, log base 9, nous envoyons à droite, nous pouvons 9 power 2, 3 fois x plus 4, x plus 4 pour 9 square divisé par 3, x pour 9 square divisé par 3 retire 4, alors nous évaluons 9 square divisé par 3 retire 4, réponse pour 23. Next, nous répondons partie B. Partie B, vous trouvez que base là est 4. Ici, il y a 7 et ici, il y a 3. Ok, quand on est capable de simplifier, nous pouvons simplifier. Get, par exemple, pas nécessaire de change base. Get log base 4 de 2, nous pouvons faire living log base 4. 2 là, nous pouvons faire living 4 power half. Il y a une half fois log 4, 4. Il y a une half fois n qui est half. Alors ici, il y a 2 fois log 4, 2, il y a une half. Plus log base 7 de 2x plus 3. Next, log base 3 de 27, sans là aussi qu'à simplifier, divine log base 3, 27 c'est 3 power 3, 3 là nous descend ni en bas, divine log base 3 de 3, divine 3 fois n, réponse finale pour venir 3. Alors 2 fois half, divine n, on va y à droite, divine 3 retire n fait 2, à gauche on a log base 7 de 2x plus 3. Next, log base 7, on va y à droite, divine 2x plus 3 égale 7 power 2. 2x plus 3 pour 7 power 2 fait 49. 2x pour 49 nous pour retirer 3 qui fait 46. Et x pour 46 divisé par 2, réponse pour 23. Question 7, partie A. Express log base 4 of x in terms of log base 2 of x. Alors vous trouvez qu'il y a un sens base là. Alors, log base 4 de x, nous faisons log base 2. Alors, si nous change base, nous faisons log base 2. Là, on peut faire x, en bas, on peut faire 4. On peut log base 2 de x. En bas, nous faisons log base 2. 4, nous faisons 2 square. Log base 2 de x. De la square, nous pouvons aller devant. On peut faire 2 fois log base 2 of 2. Et log base 2 de 2, ça, on peut faire n. Alors, réponse finale, pour faire log base 2 de x, divise par 2 fois n, fait 2. Alors, réponse là, nous in terms of log base 2 de x. Next, partie B, use your answer from part A to and substitution u is equal to log base 2 de x to solve this equation. Alors, equation là, log base 4 de x
plus log base 2 de x égale 12, log base 4 de x de partie A nous trouvons l'événement log base 2 de x sur 2 et qui c'est dans log base 2 de x, ça peut égale 12. Next, c'est une service substitution, côté dans log base 2 de x nous pour remplacer par u, c'est-à-dire ici aussi nous pour remplacer par u, equation pour venir u over 2 plus u is equal to 12. Nous multiplions par 2 par 2, nous pouvons u plus 2, u égale 12 fois 2 fait 24, u plus 2, u fait 3, u égale 24, u pour 24 divisé par 3 fait 8, et rappelle bien, u c'est log base 2 de x qui vient 8. Next, nous pouvons prendre log base 2, nous pouvons voir à droite, x pour 2 power 8, alors nous évaluons pour une réponse finale, 2 power 8, réponse finale vient 256.